Oui, mon cher Moïse. Je suis actuellement en centre-ville où cette étrange odeur, inconnue, nocive et toxique envahit les rues, provoquant des malaises au sein de la population, ainsi que des évanouissements, des émeutes, des altercations et des accidents. C'était Daniel Ducon pour BF News. Bonjour, Madame Musquin. Vous ne passerez pas. Pardon? Je plaisante, inspecteur Magret. Je répète une réplique d'une pièce de théâtre dans laquelle je vais jouer ce week-end. Oh, mais c'est génial, ça! Vous savez s'il y a un nouveau kebab qui a ouvert en ville? Pourquoi me demandez-vous ça? Vous ne trouvez rien de bizarre aujourd'hui? Mis à part que ça semble être la fin du monde dehors? Non, je n'ai rien marqué d'autre d'étrange. Vous ne sentez pas cette odeur qui a envahi la ville depuis ce matin? Non, mais je dois être légèrement enrhumée aujourd'hui. Figurez-vous que hier... Oui, bon, ben, on s'en fout. Bon, ben, ça fait toujours plaisir. Avant que vous rentriez dans votre bureau, j'ai un message à vous transmettre. Vous aviez donc un message à me transmettre? Oui, de la part de votre capitaine, Monsieur Ichiro. Il m'a chargé de vous dire de rester dans votre bureau et d'attendre son appel téléphonique. C'est noté. Merci à vous, Madame Musquin, de m'avoir rendu ce service. Ne l'oubliez pas, le jour des étrennes. Vous faites quoi avec ce téléphone? J'allais appeler les pompiers pour savoir s'il n'y avait pas une canalisation de gaz pétée quelque part. Ou une fuite radioactive d'une de nos stations nucléaires dans le coin. Ou bien un nouveau kebab dans la ville. En tout cas, ça sent vraiment le bouc faisant des dans toute la rue. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre pièce de théâtre? Oui. Et donc? Eh bien, c'est tout. Mais vous ne m'avez absolument rien dit. Ah bon? Vous avez peut-être aussi les oreilles bouchées, en plus de vos narines. Ouais, on va dire ça. Vous ne voulez vraiment pas savoir comment je me suis enrhumée? Je ne sais pas comment vous dire poliment que je m'en fous royalement. Vous venez de le faire. Eh bien, tant mieux. Passons à autre chose, si vous le voulez bien. Je vous laisse et reviendrai plus tard. Ne vous pressez pas, surtout. Agent Gaspard? Vous m'entendez, Agent Gaspard? Youhou! Cela fait bien une heure déjà que cet ours s'est évanoui. Il ne vous répondra pas. Oh mon Dieu! Mais que se passe-t-il ici? Madame Musquin! N'appelez pas les pompiers! J'ai trouvé d'où vient l'odeur de mes chouis cramés! Ha ha!
monsieur. Youhou! Je peux vous aider? Mais elle va me répondre, oui, la chef sous Prozac? Ah ben quand même! Je disais donc, puis-je vous aider? Allô, vous parlez ma langue? Déjà, je suis pas une chèvre. Je suis un bouc, mon poulet. Ouais, et moi je suis pas un poulet, mais un canard. Bonjour, la répartie. Vous voulez savoir quoi? Ben, si je pouvais vous aider. Oui, vous le pouvez. Mais je rêve. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. C'est bon. Que voulez-vous savoir? Eh bien, déjà ce que vous faites sur mon bureau. Sans pantalon et les parties génitales sous ma lampe. Je me fais juste une séance de bronzage du périnée. Une séance de... De bronzage du périnée. Je me fais bronzer l'anus, quoi. Mais ce n'est pas une lampe à UV. Non, vous croyez, Colombo? Eh bien, je viens de m'en rendre compte. Et sinon, vous êtes... Ben, sur votre bureau, à ce que je comprends. Non. Je voulais dire, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur face de bouc. Je suis envoyé par le bureau pour vous épauler. Je n'ai pas besoin d'aide pour trier les archives du commissariat. Là-haut, ils pensent que si. Et pour me punir, ils m'ont aussi rétrogradé aux tâches administratives. Excusez-moi, mais pour ma part, je n'ai pas été rétrogradé. J'ai demandé à travailler aux archives. Sans déconner. Mais vous n'étiez pas inspecteur avant? Oui, mais disons que le manque d'enquête et de meurtre dans cette ville m'a incité à revoir mes priorités. Bon, ben, je vais finir quand même ma sieste parce que... Vous m'avez un peu fatigué avec vos histoires. Merci, c'est toujours agréable. Bon, cette fumée m'irrite un peu trop la gorge. Il me faut un bon verre d'eau. C'est un très vieux donut tout sec. Je n'ai pas trop besoin de ça pour le moment. Rien que l'odeur pourrait réveiller un mort. Ou quelqu'un qui dort bien et ronfle un tracteur. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et je ne crois pas avoir envie de le savoir. C'est le casier où sont rangés tous les dossiers des enquêtes. Pour faire simple, ce n'est qu'un décor puisque tout est désormais numérisé sur notre ordinateur. C'est tout simplement un des 8 tiroirs de la commode. Ce tiroir doit renfermer un lourd secret, mais je n'ai absolument aucune envie de le fouiller. Un tas de cartons avec certainement beaucoup de paperasse dedans. Je vais laisser le stagiaire face de bouc fouiner là-dedans. Ça l'occupera quelques minutes. Je ne sais pas vraiment qui appeler pour le moment. C'est un ordinateur, quoi. Laissons-le dormir pour le moment. Un verre.
a plus qu'à boire. Je ne vais quand même pas gaspiller cette eau plate et fraîche sur cette face de bouc. Eh bien, à la vôtre. Allons voir qui souhaite nous parler. Bureau des archives, que puis-je faire pour vous? Salut, Maigret. C'est le capitaine Ichiro. Mais restez, capitaine Ichiro. Vous n'allez pas le croire, mais je suis actuellement sur une scène de crime. Sérieux? Une vraie boucherie. Monsieur Kwan a été découpé en morceaux. Son pièce de charcuterie est allée sur un présentoir de banquet. Mais c'est horrible! J'ai besoin de vous confier l'enquête de ce crime. Mais je vous rappelle que vous m'avez retiré mon insigne et mon arme, capitaine. Ah, tiens, tiens. Finalement, on n'a pas quitté son poste d'inspecteur volontairement, on dirait. Fermez votre gueule! Vous sentez l'oignon caramélisé à 3 km à la ronde! Comment? Non, non, désolé, capitaine. Je parlais à un bouc qui se fait frire le cul sur mon bureau. Je vous réhabilite. Passe de bouc est bien arrivé dans vos locaux. Ah oui, capitaine. Pour être là, il est bien là. Bon, très bien. Puisqu'il est déjà sur place, je le réhabilite aussi. Et vous l'affecte en partenaire sur l'enquête. Prenez-le avec vous. Et allez chercher tous les deux vos insignes et vos armes à l'accueil du commissariat. Gaspard vous attend. Il est au courant. Ensuite, retrouvez-moi chez Monsieur Kwan au 15 rue des Peupliers Secs. 15 rue des Peupliers Secs. Ok. Nous arrivons très vite, capitaine Ichiro. Et merci pour la confiance que vous m'apportez pour cette mission. Ne me le faites pas regretter. Je vous attends. Bon, maintenant nous devons trouver un moyen de réveiller Face de Bouc pour que nous allions ensuite chercher notre matériel. Avant d'aller aux 15 rue des Peupliers Secs, rejoindre le capitaine Ichiro pour démarrer notre enquête. Trouvons un moyen de réveiller la bête. C'est un très vieux donut tout sec. Nous avons le donut. Agitons ce délicieux donut cramoisi et périmé devant la truffe de ce malotru. Je pense que ça devrait le réveiller. J'espère que c'est sans gluten. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est périmé depuis au moins 10 ans, ce truc infâme! Maintenant, j'ai mal au bide. Faut que j'aille au petit coin. Les toilettes sont en bas. Non, non, c'est bon. J'ai trouvé des toilettes dans ce bureau. Mais il n'y a pas de toilettes dans ce bureau. Si, si. En attendant, tourne-toi et ferme les yeux que je me rhabille. Maintenant, il faut que j'aille déposer les enfants à la piscine. Vous avez des enfants? Mais non, Donald. C'est une expression pour dire qu'il faut que je fasse caca. Et pouvez-vous me montrer où vous avez trouvé des toilettes dans ce bureau avant que j'arrive?
Vous teniez beaucoup au carton derrière vous avec les mouches autour. Non, vous n'avez pas fait ça. Bon, il faut que nous trouvions les plans de la ville pour nous rendre aux 15 rues des Peupliers Secs. De toute façon, je ne sortirai pas d'ici tant que j'aurai l'écureuil qui tape au carreau. Quel écureuil? Laisse tomber. Je vous confie votre première mission, monsieur Face de Bouc. Trouvez où sont ces fichus plans de la ville, s'il vous plaît. L'impression que je vais m'éclater ici. Sérieux? Je pense que nous allons en rester là. Et hop, j'ai récupéré mes poils. C'est ça. Prenez-moi pour un mouton de 2 semaines. Je me doute bien que tout ce qu'il y a là-dedans est informatisé de nos jours. Sur cet ordinateur que j'ai joué toute la nuit à un super jeu point and click. Grandma Badass. J'ai adoré rentrer dans la peau d'une mamie à la recherche de son chat. Et je dis bien rentrer dans la peau, hein? Pas autre part. Si je m'écoutais là, j'appellerais bien le développeur de Grandma Badass pour lui demander de m'offrir un rôle dans son prochain jeu vidéo en point and click. Rien d'intéressant dans ce tiroir. Vous savez ce que c'est qu'un Kinder Surprise? C'est un œuf en chocolat avec un petit jouet surprise à l'intérieur. Eh bien, c'est le même principe pour ce carton surprise. Oh mon Dieu! Mais il est rempli à ras-bord d'extrêmement, ce carton! Mais vous êtes là depuis quand? Ben, je suis arrivé hier soir, quoi. Et maintenant, mon canard, bouchez votre nez. Fermez vos yeux et vos oreilles. Je vais détruire l'échelle de Richter. Ce carton contenait mes relevés d'imposition. Non, par pitié, ne faites pas caca dans... Mon carton. Je peux vous avouer que ça m'a bien soulagé. Je me sens plus léger maintenant. Je n'ai pas soif pour le moment. Le tiroir est totalement vide. Excusez-moi, mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. C'est un ordinateur, quoi. Un tas de cartons avec certainement beaucoup de paperasse dedans. Je vais laisser le stagiaire Face de Bouc fouiner là-dedans. Ça l'occupera quelques minutes. Ce tiroir aussi est aussi vide que mes intestins. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire? Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire faire.
dormi tout ce temps, ou alors elle ne fonctionne plus. L'un ou l'autre, de toute façon, je m'en cogne. Sur cet ordinateur que je... Grandma, j'ai un tout et je dis pas autre part. J'aimerais qu'il y ait quelque chose entre nous. Quoi? Un mur. Si je m'écoutais là, j'appellerais bien le développeur de Grandma Badass pour lui demander de m'offrir un rôle dans son prochain jeu vidéo en point and click. Excusez-moi, mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. C'est un ordinateur, quoi. Je ne sais pas vraiment qui appeler pour le moment. Un tas de cartons avec certainement beaucoup de paperasse dedans. Je vais laisser le stagiaire face de bouc fouiner. Ça l'occupera quelques minutes. C'est tout simplement un des 8 tiroirs de la commode. Ce tiroir doit renfermer un lourd secret, et je n'ai absolument aucune envie de le fouiller. Y a plus qu'à boire. Je ne vais quand même pas gaspiller cette eau plate et fraîche sur cette face de bouc. Eh bien, à la vôtre! C'est le casier où sont rangés tous les dossiers des enquêtes. Pour faire simple, ce n'est qu'un décor puisque tout est désormais numérisé sur notre ordinateur. Je commence à me demander si on se moque pas de plan de la ville dans ce tiroir. Allez, et c'est gagné. Y'a rien en paix dans celui-là. Je pense que vous avez aussi compris le truc. On va devoir les ouvrir jusqu'au 8e pour trouver les plans. Quelle surprise! Il n'y a pas de plan non plus dans ce tiroir. Bon, logiquement, le dernier, c'est le bon. Tada! Le tiroir cachait bien deux plans de la ville. J'y crois pas. Ils ont osé faire ce coup-là. Bon, nous nous servirons des cartes plus tard. Pour le moment, nous devons récupérer nos insignes et nos armes. Suivez-moi, Facebook. Nous allons voir l'agent à l'accueil du commissariat. Ai-je le choix? Non. Inspecteur Magre, c'est la bosse d'un verre du commissariat que je vois dans votre poche. Où le plaisir de me revoir. C'est exact, Gaspard. C'est un verre. Je voulais m'en servir comme un verre à dents. Mais je viens de me souvenir que... je n'avais pas de temps. Le capitaine Ichiro me demande de rembourser personnellement tous les verres qui disparaissent. Alors vous serez gentil de ne pas partir avec et de me le rendre. Voilà le verre, Gaspard. Merci, je le replacerai dans votre bureau. Bonjour, agent Gaspard.
Mes respects, inspecteur Magret. Je vous présente mon nouveau stagiaire, monsieur Face de Bouc. Je suis heureux de le connaître. Excusez-moi, mais... je suis aussi inspecteur et non stagiaire. Ils disent tous ça. Ah, il a beaucoup d'humour, ce Bouc. On dirait bien, inspecteur. Mais vous êtes aussi con l'un que l'autre, en fait. Il va se calmer, le stagiaire, ou je vais lui offrir un tour gratuit en garde à vue. Et c'est donc pour voir, Willy l'ourson. Bon, calmons-nous et revenons-en à ce qui nous amène ici. Le capitaine Ichiro vous a normalement laissé nos insignes et nos armes. Oh, je suis désolé, mais ça me dit rien. Vous n'avez rien pour nous? Je pense que le capitaine Ichiro a encore oublié de me laisser vos pièces. Bon, nous allons devoir ça avec lui, du coup. Bon courage, inspecteur. Merci. Il ne reste plus qu'à regarder sur notre carte où se trouve le 15 rue des Peupliers Secs et de nous y rendre. Ce criminel est très dangereux. C'est Gratte-cul, le sanglier d'attaque. Il est recherché pour plusieurs menaces et agressions dans deux autres jeux point and click. Nous n'allons pas rentrer dans le bureau du capitaine alors qu'il n'est pas là. Eh oui, mon cher Maurice. Nous sommes devant le café chez Kwan. C'est ici que la police vient de retrouver le corps de son gérant. Monsieur Kwan, un commerçant apprécié des habitants. Mais retrouvé cependant découpé et transformé en saucisson. Messieurs, il va falloir bouger et laisser la police faire son travail. Oui, c'est à vous que je parle, l'équipe de télévision. Je suis journaliste. J'ai le droit de rester ici et filmer tout ce que je veux. T'as bien raison, con de phoque. Tes spectateurs vont adorer me voir t'arracher tes dents de devant et te les carrer dans le fou. Oula, messieurs, on se calme. Je rends l'antenne. C'était Daniel Ducon pour BF News. T'es encore là, Ducon? Tu veux ma photo? Laissons tranquille cette chèvre qui semble avoir la rage. Ouais, c'est ça. Retourne sur ta banquise. Vous êtes sur une scène de crime. Ne touchez pas à ce buisson. Bonjour, agent ChatGPT. Oh, bien le bonjour, inspecteur Magret. Vous semblez heureux de faire le planton. Est-ce que c'est de l'ironie, monsieur Magret? Non, juste un constat. Eh bien, occupez-vous plutôt de vos oignons, cher archiviste. Je suis de retour à la section crime et je reprends les enquêtes. Pour moi, vous resterez à toujours le petit archiviste sans ambition. Vous me semblez vraiment de bonne humeur. Je n'aime pas vraiment votre ton ironique, inspecteur. Le capitaine Ichiro m'attend à l'intérieur pour me confier l'enquête du crime. Puis-je entrer? Désolé, inspecteur Magret, mais il faut me montrer votre carte de police pour pouvoir entrer. Mais c'est absurde. Vous me connaissez quand même? Oui, mais je ne peux pas vous laisser entrer sans votre carte de police. Il est un peu con lui aussi, non? Pardon? Le souci, c'est que c'est le capitaine Ichiro qui a ma carte. Eh bien, demandez-lui de vous la donner. Oui, mais il est à l'intérieur. Ah, je vois. Il faudrait que vous rentriez pour avoir votre carte de police, du coup.
Voilà. Ah, ben il a percuté Einstein. Plaît-il ? Il a un problème, le bouc qui sent le kebab ? Oui, mais vous ne pourrez pas entrer pour prendre votre carte de police sans avoir votre carte de police pour rentrer. Oh, on en a un bon pour organiser un dîner de con, là. Vous avez mangé de l'ail ce matin, Mr. Book ? Mais comment faire, du coup ? Vous voulez que je prenne ma carte à l'intérieur, mais vous ne voulez pas me laisser entrer. Pas de carte, pas d'entrée. C'est pour une caméra cachée, c'est ça ? Non, c'est juste le protocole. Ok, je vais voir s'il n'y a pas une autre solution pour récupérer ma carte et mon arme. Voilà. Et quand vous avez votre carte, vous pourrez passer. Et encore bravo pour ce zèle, agent ChatGPT. Merci, monsieur l'inspecteur Magret des archives. On pourrait retourner au commissariat et rappeler le capitaine Ichiro du téléphone de notre bureau. J'aimerais qu'on se débrouille seul. Je veux prouver au capitaine qu'on peut improviser et trouver des solutions par nous-mêmes. Un vrai faillot, quoi. Cherchons s'il n'y a pas une autre issue pour entrer. Vous me semblez vraiment en forme. Ne cherchez pas à me flatter, monsieur Magret. Ce genre de choses ne fonctionne absolument pas sur moi. On a tous un point faible. Je suis un chat. Je suis génétiquement programmé pour dominer prochainement le monde. Il n'y a aucune place pour les points faibles chez nous, les chats. En tout cas, vous ne manquez pas de modestie. Non, rien du tout. Je reviendrai plus tard. Très bien. Et surtout, prenez votre temps avant de rêver charmant. Quelqu'un semblait en vouloir à Monsieur Kwan. Un mystérieux inconnu a effectivement tagué la phrase « Kwan, voleur » sur le volet métallique de la fenêtre. Un indice intéressant à noter. Ce tas d'ordures m'a l'air bien dégueulasse. Pourquoi me salir les mains alors que j'ai un stagiaire ? Je vais laisser Face de Bouc prendre l'initiative de fouiller là-dedans. Le barreau est à deux doigts de céder, mais je n'ai pas assez de force pour le désaxer. Il faudrait quelqu'un de plus costaud, avec plus de force. Comme un bouc impulsif, par exemple. Cette sonnette ne semble pas fonctionner. La porte est fermée à double tour. Bonjour, mon Midou. Vous êtes... On se connaît. C'est quoi ces manières de parler ? Oh punaise, une petite chatte précieuse. Vous savez que vous paierez pas plus cher en souriant. Vous savez que vous feriez des économies en fermant votre gueule. J'accompagne l'inspecteur Magret. Je suis Face de Bouc et je suis de retour sur la scène. Une information qui ne casse pas trois pattes à un canard, si j'ose dire. Vous me semblez vraiment avoir besoin d'antidépresseurs, vous. Et vous, d'une garde à vue, non ? Le capitaine Ichiro m'attend à l'intérieur pour me confier l'enquête du crime. Puis-je entrer ? Désolé, inspecteur Face de Bouc. Mais il faut me montrer votre carte de police pour pouvoir entrer. Mon visage béatifique de bouc, intègre et loyal aux forces de l'ordre, ne suffit pas ? Ce n'est pas ce que j'appelle vraiment un visage béatifique. Le souci, c'est que... C'est le capitaine Ichiro qui a ma carte. Eh bien, demandez-lui de vous la donner. Ouais, mais il est à l'intérieur. Ah, je vois. Il faudrait que vous rentriez pour avoir votre carte de police, du coup. Voilà. Oui, mais vous ne pourrez pas rentrer pour prendre votre carte de police
sans avoir votre carte de police pour rentrer. Mais comment faire du coup? Vous voulez que je prenne ma carte à l'intérieur, mais vous ne voulez pas me laisser rentrer. Pas de carte, pas d'entrée. Pas d'entrée, un bourre-pif dans ta face de félin, ça te dirait? Un séjour de 48 heures en cellule, ça vous dirait aussi? Je vais voir s'il n'y a pas une autre solution pour récupérer ma carte et mon arme. Voilà. Et quand vous avez votre carte, vous pourrez passer. Vous n'êtes qu'une peine à ronronner. Merci, monsieur l'inspecteur Kebab. Non, rien du tout. Je reviendrai plus tard. Très bien. Et surtout, prenez votre temps avant de rentrer. Toi, je ne t'aime pas beaucoup. Un bon tas d'ordures. Tout le monde sait que les boucs adorent brouter n'importe quoi. C'est sûrement pour ça que le canard me laisse faire les poubelles. Nous avons trouvé un vieux journal. Cet objet. Pouah ! Non merci, je ne veux pas de ce truc complètement crade. Un jeune enfant, et hop, nous avons la barre de fer. Tout est possible avec ma grosse barre de fer, bien dur. Et pas que j'ai un gros cul, mais je ne parviendrai pas à entrer là-dedans. Vous m'avez pris pour John McClane? Je suis un canard raffiné et distingué. Je n'entrerai pas dans cette bouche d'aération crasseuse et sombre. Voilà, le journal est placé. Et maintenant... Vous m'avez pris pour John Mac. Je suis un canard raffiné. Je n'entrerai pas dans cette bouche d'aération crasseuse et sombre. Hors de question que je pose mes plumes sur ce papier gras qui pue le moisi. Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire faire. On a déjà relevé cet indice. Désolé, mais mes poils de cul sont trop précieux pour que je les abandonne dans ce trou. Il faudrait lancer quelque chose dessus pour l'atteindre. Si j'utilise cette barre de fer sur cette ventilation, je bloque l'hélice. C'est astucieux. Mais je ne vois pas à quoi ça sert pour le moment.